Bon alors, c'est quoi ce jeu? Quoi, tout le monde en parle? C'est XR qui m'a donné envie. Du coup, sans transition, hein. Je viens le télécharger, je viens l'installer, j'ai jamais joué à un Souls de ma vie, je connais pas. C'est pour les enfants, c'est un jeu d'éveil facile et bienveillant. D'accord, c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est un jeu Nintendo, non? C'est sur la Switch. Ah putain, elle est bien la musique, mais c'est bien quand ça s'arrête aussi. Ajuster la luminosité. Oui, non mais c'est bon, la luminosité, elle est lumineuse là. Oui, c'est d'accord. Vitesse de la caméra, je m'en fous. Oui, non, mais d'accord, très bien. Oui, c'est un jeu, oui. Oui, c'est un jeu, oui. Ah, je dois choisir. Spécialité du personnage, vagabond, guerrier, héros. Ah, il y en a d'autres. Eh ben... Oh, indigent. Je peux prendre un mec en slip. Je peux faire une run slip. Ils ont dû ajuster la difficulté car les gosses trouvaient ça trop easy. Ouais, non mais c'est un jeu Disney. Vagabond, guerrier, héros, bandit, astrologue, prophète, samouraï, prisonnier, confesseur, indigent. Run slip pour cent. Si, vous avez le droit de backseat. Si, vous avez le droit de backseat, full backseat. Attends, je vais le mettre dans le titre d'ailleurs, t'as raison. Ouais, vous avez le droit de backseat. Hein. Je te déconseille, l'indigence est ultra hard. Bon, d'accord. Afficher le statut. Ah. Ah, les armes. Donc là, c'est une épée à une main. Notre truc, un bouclier. Ça, lui, c'est deux épées, un petit bouclier en bois. J'en sais rien, moi. Bandit, c'est à l'arc. Ok, distance. Astrologue. Lui, c'est la magie. Prophète, ça a l'air d'être la magie aussi. Samouraï, il est stylé le samouraï. En vrai, Slipan, c'est pas mal du tout. Le tout début, à poil, c'est chaud vu le manque d'armure. La magie, c'est le plus fort dans tous les Souls. Ouais. Je sais pas, vous me conseillez quoi? En vrai, quelqu'un qui a jamais joué à un Souls comme moi, vous me conseillez quoi? Le samouraï est parmi les plus noob friendly. Bon bah ça me convainc. Moi j'ai envie de découvrir tranquillement. Samouraï. Ouais, samouraï. Allez, let's go. Type de corps, A ou B, rien à foutre. Ah. Entrée, un nom. Ah, c'est le début des ambiances. Jean Massier. Ah, on s'en fout. Origine, samouraï, leg, on s'en fout. Modèle de... Oui, on va pas commencer. Hein. A égale homme, B égale femme. Oh. Leg. Ah ! Prends un leg. Attendez. Je sais pas parce que c'est un leg. La leg, c'est les jambes. Attends. Non, je veux pas passer. Bon, on verra. Fallen leaves. Tell a story. Ouais. Prends tes legs à ton cou. Legosef. Ah ok. L'illustre cercle d'Elden a volé en éclats. D'accord. C'est joli. In our home, across the fog, the lands between. Ok. Ouais, c'est Diablo, quoi. Je vais être insupportable. Hein. Ah non, c'est Galadriel, ça, je reconnais. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. Ah merde, la reine Marika. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish.
Rip. Soon. C'est Gandalf. Maricus offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. D'accord. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Il définit pas ce qu'il est méchant, hein. Il dit il y a eu une guerre, c'est terrible. Horalu, chieftain of the Badlands. The ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung-Eater. Trop de name dropping là, j'ai pas retenu. Sir Gideon Othmir, the all-knowing. C'est comme dans tous les Souls, c'est pas vraiment manichéen, d'accord. Les méchants, c'est les Russes, d'accord. Ok. Donc je rappelle, hein, bonjour si vous me rejoignez, c'est donc un jeu pour enfants développé par Nintendo. C'est un Zelda. Hein. Home Grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. C'est un jeu éducatif. Bon, en tout cas, c'est stylé, hein. L'ambiance musicale est dingue. L'artwork est quand même assez classe. Ok. Donc, caméra, tout ça, ok. J'ai un arc et une épée. D'accord. Pourquoi il y a un mec en slip ? Il me dit quoi faire ? D'accord. D'accord, très bien. Ah. Toucher la tache de sang. J'appuie sur Y, il fait rien. Ah si, d'accord, je fais apparaître machin. Ah d'accord, je vois la mort. D'accord, je vois la mort du mec qui a fait la tache de sang par terre. On aurait pu nettoyer quand même. Hein. D'accord, ok, j'ai compris. Lire le message. Admirer encore ici, donc... Ah, je vois encore en vue. Ok. Reçu. Fouiller le cadavre. Doigt racorni de sang éclat. De sans éclat. Ok, très bien. Sago dans l'inventaire. Très bien, formidable. Lire le message. Pour message Jura et donc admirer quelque chose d'incroyable. Ok. Il y a du gel hydroalcoolique après la tache de sang, bah j'espère. Du coup, ouvrir. Toucher la tache de sang, non mais ça c'est bon, j'ai vu, ça fait apparaître un mec qui est mort. Chapelle de l'anticipation. Oh, stylé. Ok. Lire le message, non mais c'est bon les messages, oui bon d'accord. Bon le lore je vais un peu laisser tomber, hein, j'ai envie de, c'est le gameplay qui m'intéresse.
Ok, c'est hyper joli, hein. Alors, est-ce qu'on peut speedrun? Non, ça c'est ok. Montre-moi les touches. Ça, ça frappe. Ça, ça prend l'arc, visiblement. Je peux tirer des flèches, j'en ai 19. Et j'ai 10 flèches de feu, d'accord. Ça, ça a l'air d'être pour parer. Ça, c'est les flèches de feu, d'accord. Ça, c'est une esquive vers l'arrière. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. Ok. Est-ce que je peux changer d'arme? Ouais, c'est avec la flèche de droite. D'accord, ok. Les messages sont lâchés par les joueurs de toute façon, sauf ceux qui brillent un peu plus fort. C'est pas du lore. Ah oui, oui, attends. Non mais, arrête de te gratter le cul. Ah ça, c'est la touche? C'est la touche pour se gratter les fesses. Et pour vérifier ensuite s'il n'y a pas des traces de pneus. D'accord, ok, ok. Non, reprends ton épée par contre, respecte-toi. Voilà, merci. D'accord, d'accord. C'est un jeu Kojima. Ok, ah ça c'est la reine Marika. Ah m'a fait peur. Salut toi. Eh oh. Aïe. Non. Oh, je suis mort. Bienvenue à Disneyland. Un jeu pour enfants. Ouais, ouais, non, monsieur, ça va là. C'est... Bienvenue dans Elden Ring. Ah, apparemment, c'était scripté. Il fallait que je meure. Alors. Non, je me disais, c'est une fausse difficulté. Ah, le dada. Oui, je le dis que c'est pour les enfants. Tu peux le tuer, c'est possible, reward de fou. Ouais, bah je réessayerai pas. Hein. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here. After all. Ça te dérangerait de descendre de ton cheval et de m'aider? J'ai un peu la tête dans la flotte là. Tu vas mouiller ta cape. Find is sure to seek the Elden Ring. D'accord. C'est dans les sous-sols du Sénat. Ah. Violate the Golden Order. Ça, c'est une cinématique, je crois, go back see tout. D'accord, d'accord. Allez, on se relève. Voilà, c'est juste une gueule de bois, t'inquiète. Le but, c'est de récupérer les Elden Ring. Fiole de l'arme pourpre. Ok. Fiole de l'arme céruléenne. Ok. Comme dirait Muriel Robin, autant vous dire qu'on se fout complètement de savoir ce que ça veut dire. Non, c'est pas Muriel Robin, c'est Pierre Palman. En train de rater le tutoriel. Mais non, en arrière il y a le tuto. Mais quand ça, il y a le tuto? Quel tuto? Le fantôme. Ah! Attends, reviens le fantôme. En bas, dans le trou. Retourne en arrière dans le trou pour le trou. Parle au fantôme. Bonjour. Ah bah oui, caméra à droite, oui, oui, bien sûr. Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir, oui, c'est d'accord.
arts de la guerre, votre guerrier. D'accord, très bien. Du coup, je descends dans le trou, là. On t'a dit les messages plus brillants que les autres. C'est pas méga lisible, hein, la brillance des messages. Tu vois, par exemple, il est plus brillant ou pas? La grotte du savoir se trouve en dessous. Oui, d'accord. Compétence droit devant. Ah, attends, il y a un fantôme. Bon, d'accord, ok. Ça fait mal quand même. Utiliser un objet. Ah, ok. Donc là, on m'explique que la fiole... D'accord, ok. D'accord. C'est une phase d'apprentissage. Hein. J'apprends. Ah, site de grâce. Se reposer près d'un site de grâce restaure les PV ainsi que les PC et soigne toutes les altérations de statut. Cela remplit également les fioles sacrées. Toutefois, la plupart des ennemis vaincus reviendront à la vie. Vous trouverez les sites de grâce en vous rendant là-haut. Oui, alors ça, pour le coup, j'ai jamais joué un Souls, mais je sais que c'est le truc où il faut s'asseoir à côté et ça régénère et ça refait pop tout le monde, etc. Donc hop, toucher la grâce. D'accord. Se reposer. Voilà, faire passer le temps, fiole, tout ça, machin. Ok, d'accord. D'accord. Bonjour, monsieur. Ah, ça me permet de verrouiller les cibles. Ok. Arme à deux mains. Excusez-moi, pardon. Je suis en phase d'apprentissage, excusez-moi. Pardon, monsieur. Bonjour, vous le connaissiez? D'accord. Utilisez l'arme à main gauche ou à deux mains pour bloquer les attaques ennemies. Donc c'est LB la garde. La garde est particulièrement efficace lorsqu'effectuée à l'aide d'un bouclier. Ok, chaque attaque bloquée draine l'endurance. Si vous êtes à court d'endurance, votre posture sera brisée. D'accord. Non, attends. C'est pas du tout le... Non, non plus, attends. C'est quoi la garde? Ah, c'est ça la garde. Aïe. Non mais ça garde rien du tout. Ah, c'est ça. Non, ça c'est un coup puissant, c'est pas une garde. Merci Bergounou. C'est quoi la garde? Ça c'est un coup puissant. Vous pouvez esquiver les attaques ennemies avec une roulade ou un pas arrière. L plus roulade, B pas arrière, d'accord, fermé. C'est le fameux. Voilà, c'est... Ah, d'accord, ok. Donc ça c'est la base des Souls, hein. T'as vu, j'ai roulé. T'es fier de moi? Merci. Ah, t'es pas mort. Attends, faut que je le verrouille. Voilà, merci. Il faut que tu tiennes ton épée à deux mains ou un bouclier pour pouvoir garde. Il faut que tu prennes ton arme à deux mains. Y plus RB. Ah ! D'accord. D'accord. Ah putain, l'arme, on peut la tenir à deux mains. Je croyais que c'était... D'ailleurs, c'est quoi la garde, c'est ça? Là, je suis en train de garder, là? Ah non, c'est ça la garde, d'accord, ok, c'est bon. Là, je me disais bien, le bouton, il m'avait l'air pas attribué. Ok. D'accord. Ah oui, le sprintage, d'accord. Bonjour, monsieur. Alors, vous pouvez assigner jusqu'à 3 armes à chaque main afin d'alterner rapidement entre elles. Empoignez les armes à deux mains pour augmenter votre force effective de 50% et rendre cette attaque plus difficile à bloquer avec un bouclier. Fort bien. Alors, lui, il a un bouclier. Attends, je voudrais tester la garde, tu permets? Ok, d'accord. Non. Tu vas faire quoi? Je fais des roulades. Attends, excuse-moi. Merci Talion qui offre 5 subs au chat, merci beaucoup, c'est super généreux, merci. Merci. Ça y est, tu te détends et tu joues. Ouais, j'en avais marre. J'en ai marre de pas jouer aux jeux vidéo, ça fait trop longtemps, ça me saoule. Bonjour messieurs. Ah, mais non, mais fais pas ça, abruti. Comment je fais pour la prendre et... À demain, voilà, comme ça.
pour l'instant, ils meurent en un coup, les mecs. Hein, donc. Waouh! T'es sérieux, toi? Équipez un arc pour décocher les flèches. Lorsque vous maniez un arc à deux mains, maintenez LB pour viser avec précision. Utilisez R pour ajuster votre visée. Tire des flèches 1, tire des flèches 2. RPRT. Et LB, c'est visé. Ok, d'accord. Alors, attends. Attends. Laisse-moi juste prendre un arc. Voilà. Attendez, excusez-moi monsieur. Voilà, c'est bon. Et alors du coup pour rechanger d'arme. Mais non, je me trompe toujours de touche, putain. Je comprends pas comment ça marche les armes. Bonjour. Et du coup, je peux toucher la tache de sang. Non, mais ça m'intéresse pas. Attends, j'ai un petit bouclier. Et donc là, typiquement, comment je fais pour récupérer mon arc? Comme ça. C'est débile. Fait touche qui range le katana plus attaque légère ou lourde, c'est l'attaque spé de ton arme à deux mains. Alors attends, il faut que je reprenne mon arme à deux mains déjà. Mets tes deux mains, arrête, mets tes deux mains. Comment on fait déjà pour remettre les deux mains? Non, arrête de boire, putain. Y plus RT. Ah oui, c'est comme ça. Et donc tu m'as dit... L'attaque spéciale, c'est quoi? D'accord, c'est ça l'attaque spéciale, d'accord. Les armes disposent de capacités spéciales. Nommé compétences, il en existe toute une variété allant de simples attaques puissantes à des effets temporaires. Utiliser des compétences consomme des PC. D'accord, j'adore les PC. Attends, tu permets? Stylé. Ok. Fort bien. Merci Gnac. S'accroupir. Accroupissez-vous pour que les ennemis aient du mal à vous détecter. Mort. Non. Dans le dos d'un ennemi, c'est un crit. D'accord. D'accord. On peut aller par là? Non. Ok. D'accord. C'est pas facile, hein. Certaines attaques peuvent briser les postures d'un ennemi, ce qui vous permet d'asséner un coup critique. Les attaques chargées et sautées sont particulièrement efficaces pour briser la posture d'un ennemi. Maintenez RT, puis RT en sautant, attaque sautée. Oui, ça d'accord. Ah ouais, ça fait mal. Là, j'ai fait 3 attaques chargées, d'accord. Lorsque vous mourrez, revenez à la vie derrière un site de grâce visité. Toutefois, si vous mourrez près d'une effigie de Mareka, vous pouvez choisir d'y ressusciter. Ah, d'accord. Je peux cibler avec le stick droit. Ouais, faut que je pense à le faire, faut que j'ai le réflexe de le faire. Soldat de Godric, salut. Salut Godric. Moi, c'est Jean. Alors... Contre-attaquer un ennemi permet de briser plus facilement sa posture. Je sais plus comment on fait pour parer. Bon, on verra bien. Pas comme ça. Non, non mais... Tu peux t'accroupir, ça évite que tu te fasses remarquer en approchant un ennemi de dos. D'accord.
Attends, il y a Godric là, il m'a mis une tarte. Appuie sur stick droit. Effigie de Marika. Ah oui, appuie sur stick droit. Oui, non, il faut que je cible mon ennemi. Il faut que j'ai le réflexe de le faire, ça. Si une jauge de congélation sera appliée, vous subissez des dégâts. D'accord, ok. Lorsque vous mourrez, vous redevenez à la vie d'un acide de grâce visité. Toutes les runes que vous possédez restent à l'endroit de votre mort. Si vous mourrez à nouveau avant de les récupérer, vous les perdrez à jamais. Ah ! La boussole indique où sont mes runes. D'accord. Bonjour, je voudrais récupérer mes runes. Faut que je fasse quelque chose, récupérer les runes. Ouais, voilà, c'est ça, comme ça. Putain, je l'ai toujours pas ciblé. Mais cible-le, connard. C'est facile comme jeu, hein. Ça promet, t'es prêt pour Godric. Bah c'est Godric là, non? C'est Jean-Michel Godric, non? Attends, comment on fait déjà pour parer? Ah, c'est comme ça, d'accord, ok. Alors Godric, puisqu'on se retrouve mon vieux. Alors attends, tu permets d'abord, faut que je récupère ça. Wow! Tu vas te descendre. Je peux même pas me relever. C'est facile, hein. Pour faire simple, pour la gestion de tes armes, les deux gâchettes de gauche sont les actions main gauche et les gâchettes de droite sont actions main droite. Tu tiens à deux mains. D'accord. La roulade. Ah, la roulade. Ah bah oui. Bah oui, c'est un souls. Faire des roulades. Trop dur l'objectif de l'Asylan. Ah ouais, non, je suis pas prêt pour l'Asylan, hein. Attendez, excusez-moi. Permettez. Non, mais... C'est pas le bon bouton, connard! Connard, c'est moi, hein. Hop là, tu vas faire quoi? Cible, cible-le, voilà. Non mais, pourquoi tu fais pas des roulades? Franchement, c'est facile, hein. Merci, Alchimia! First try en plus. Ah ouais, ouais, je l'ai first try. Vous retiendrez que je l'ai first try. Hein. L'histoire retiendra que je l'ai first try. On est arrivé par où? On doit aller par où? Je sais plus. Je crois que c'est là-bas qu'il faut aller. Pas du tout. C'est le mob de base dans 5 minutes. Ah. C'est bon maintenant que... C'est bon. Pas besoin de... Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour. Fouillez le cadavre. Encouragez. Allez, courage, petit cadavre. Ah d'accord, ça m'a ramené là. Donc ok, donc ça c'était le tuto. Ça va, je crois que je suis prêt. Je peux finir le jeu sans mourir là. Run no die pour 100. Bonjour. Bonjour. Ouais, j'aimerais bien récupérer de la vie, tout ça. Faire passer le temps. C'est ça, à quoi de faire passer le temps? Cycle jour-nuit pour les quêtes. Ah oui. Un doigt crochu de Saint-Éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée. Lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque, une session multijoueur coopérative débute. Oh, vous endossez alors le rôle d'allié, doigt crochu, et avez pour objectif de vaincre le boss de la zone. La boussole en haut de l'écran indique la direction de l'invocateur. On appelle l'hôte des doigts. Ok, eh ben merci beaucoup. Du coup, les doigts crochus me permettent d'invoquer d'autres joueurs qui vont du coup venir m'aider, c'est ça? C'est l'appel à un ami pour gagner des minions. D'accord, ok. Facile. Ça,
ça brille ça. Pas de message dérobé en vue, mais pour les maçons, oui, d'accord. Oula, 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 oula. J'en prends rien. D'accord. Bonjour. Je comprenais pas pourquoi il se mettait accroupi. Très bien, très bien. Nécrolimbe. Oh, c'est joli. Eh, c'est vachement beau, hein. Ils diront ce qu'ils voudront, mais c'est vachement beau. Là, je touche la grâce. Lève les yeux. Grâce de guilde, santé classe sur la bonne voie. De nos jours encore, certains sites de grâce conservent ce pouvoir. Ok. Servez-vous de la carte pour consulter votre position actuelle. Et connaître les structures de terrain environnantes. Trouver les fragments de cartes et le... des stèles le long des routes fera apparaître de nouvelles informations sur votre carte. Vous pouvez également y placer vos propres balises afin de vous aider dans votre exploration. Menu carte. À l'aide du menu carte, vous pouvez consulter votre position actuelle et connaître les structures de terrain environnant. Vous avez la possibilité d'y placer des balises. Oui, bon, ça d'accord. Ok, on est là. On a fait l'agro du savoir et le cimetière abandonné. D'accord. Et là, on en est là. Le commencement. Non, mais c'est bon, j'y suis déjà. D'accord, ok, fort bien. Bonjour madame. Moi c'est Jean. Oh yes, tarnished, are we? Bonjour monsieur, pardon. The lands between for the Elden Ring. Of course. Ah, vous êtes un streamer, vous voulez découvrir Elden Ring. C'est bien, mais vous allez en chier. However, d'abord, vous n'avez pas de servante. Ah bon? Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold. You are fated, it seems, to die in obscurity. D'accord. Merci. Merci, merci, merci. Passez une bonne journée, vous aussi. Et en fait, c'est open world. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Vous pouvez trouver... Recueil d'invocations. Vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs. Celles-ci font office de recueil d'invocations. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elles, car les marques d'invocation coopératives et compétitives créées à l'aide de petites effigies sont compilées dans des recueils d'invocations. J'ai pas tout compris, mais d'accord. On va dire d'accord. Ouais, c'est ça, c'est Zelda en fait. Oh, le bel arbre. C'est pour la coop, d'accord. Et on peut buter les animaux ? Ça rapporte des trucs ? On peut récolter les... Bonjour. Fouiller le corps. J'ai récupéré des os. D'accord, est-ce qu'on peut ramasser des fleurs ? Oui, donc c'est ça, c'est Zelda. Il y a des composants très utiles. Ah, c'est des combos. Ah, on va faire... Ah oui, d'accord, on va faire la compétence potion. On va se concocter des petits plats. Alors, bonjour monsieur. Waouh! J'ai pris un coup de sabot, je crois. C'est moi, il avait beaucoup de PV. Vaut mieux l'éviter. Oh. Bah d'accord, mais je fais comment ? Ça me paraît un peu haut là. C'est un mini-boss. C'est un peu dur à ce niveau du jeu. D'accord. Bon, on va l'éviter alors. Hein. C'est comme dans un MMO, il y a une zone d'aggro, etc. Et tu le gardes pour le level 10. D'accord. Ah, mais non, attends, faut que j'aille chercher ma vie. Oula, 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 attends, il me regarde. Il me regarde mal en plus. Bon, on va attendre qu'il reparte. On va aller récupérer nos affaires.
Bonjour. Excusez-moi, vous dérangez pas. Oui, on se casse. Le jeu t'apprend que c'est ok de fuir parfois. Bon, bah on fuit alors. Fuyons, fuyons. Église Delay. Je touche la grâce. La grâce est touchée. Tu peux t'accroupir pour pas attirer attention. Ah oui, c'est vrai. Grâce à votre carte, vous pouvez instantanément vous rendre à n'importe lequel des sites de grâce que vous avez découvert. Toutefois, cela n'est pas possible dans certains donjons et autres zones. D'accord. Le Père Noël, là. Qu'est-ce qu'il peut... Renforcer les armes. Lorsque vous tenez près d'un atelier de forgeron, vous pouvez dépenser des runes de pierre de forge pour renforcer vos armes. Certaines parts dans notre terre rendraient peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Très bien. Le Père Noël. Parti sans éclat, je le vois bien. Non, effectivement. Ah, faisons donc ça. Calais qui vend des trucs. Bon, c'est un dealer quoi. Qu'est-ce que t'as à vendre, frère? A l'aide du menu boutique, vous pouvez dépenser les runes pour acheter divers objets. Vous pouvez également vendre des objets contre des runes. Chaque marchand propose différents articles à l'achat. Lancer dague, télescope, remède des doigts crochus, peau fissurée. Ah, on peut lancer des pots, d'accord. C'est ça. De fabrication, on peut acheter des flèches. Et on peut acheter des fringues. Combien j'ai de pognon? 597. Manuel guerrier nomade. Étoffe de répertoire d'artisanat, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Vendre. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Rien. Ça va aller vite. Acheter. Recommandation, ça veut dire quoi? You know, if you can spare the rooms. You should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make des objets rudimentaires. Essential really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle and I admit I do take my cut. The important thing is to survive. Every customer counts after all. OK, bon, il faut toujours faire confiance à son dealer hein. Donc on va acheter le nécessaire à truc là. Nécessaire de fabrication, 300 balles. Ok. Torche. Les ruines. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice. Merci monsieur. Fabrication d'objets. Vous possédez un nécessaire de fabrication. Vous pouvez confectionner divers objets grâce aux matériaux que vous ramassez. Sélectionnez fabrication d'objets dans le menu principal pour fabriquer des objets. Trouvez des manuels pour apprendre à fabriquer de nouveaux objets. D'accord. Vous aurez besoin de peaux fissurées et d'autres contenants pour fabriquer certains objets. Vous pouvez créer un nombre d'objets supérieur au contenant que vous disposez. D'accord. Ok. Fabrication d'objets. Trouver les manuels pour apprendre. Donc pour incendiaire par exemple, visiblement je sais pas encore le faire. Il me faut un champignon, un papillon flamboyant, champignon, papillon flamboyant et corde, fléchette en os. Ça visiblement je peux déjà le faire. Baie de sorbier séché. Tous les objets, ok. D'accord, d'accord, d'accord. La torche c'est bien. Est-ce qu'il me reste du pognon pour la torche? Ah, il me reste du pognon pour la torche. Allez, j'achète la torche, j'ai plus d'argent. Bisous, bisous. Elle est où la torche? Comment je fais pour la prendre la torche? Inventaire, fermé. Torche. Changer d'affichage, ok, vue simple, parcourir. Équipement.
À la du menu équipement, vous pouvez équiper des armes, des flèches, des carreaux, des armures, des talismans et d'autres objets. Vous pouvez attribuer jusqu'à 3 armes par main. Des actions effectuées dans chaque arme dépendent de la main qui la manie. D'accord. Et là, je peux aller chercher ma torche. D'accord. Et donc maintenant, ma torche, elle est là. Je crois que je viens de comprendre. D'accord, je viens de comprendre comment ça fonctionnait le truc des armes là. D'accord. En fait, quand j'appuie sur ce bouton là, ça change que le carré de gauche. Et la torche, on peut se battre avec ? Ouais. C'est efficace ? Torche bouclier. Maintenant, tu peux te torcher. D'accord. Non, c'est moi qui ai demandé les backseats. Hein. Vous pouvez y aller sur le backseat, j'ai besoin de votre aide. Hein. Moi, faut qu'on m'aide à découvrir les jeux. Hein. Je peux souffler un peu. Essaye d'attaquer puissante avec la torche les ennemis. Non, les ennemis sont très efficaces quand ils en ont une. D'accord. Et si on allait essayer de lui fumer la gueule à celui-là ? Bonjour monsieur. Ah mais je reconnais, t'es le soldat gorille là. Est-ce que ça te va si je t'éclate la tronche ? Merci monsieur. La torche, c'est surtout pour l'exploration. Ah bah là, ça va, il y a de la lumière. Je ramasse des trucs. Bonjour. Au revoir. Les baies. Zou. Fragment de rune. De ruine, pardon. D'accord. Salut toi. Alors où qu'on est ici? Salut. Tu peux fouiller les corps. Ah bon? Où est-ce que je l'ai buté lui? Il est là. Non, j'arrive pas à fouiller le corps. Oui, c'est bon, je l'ai fouillé. Merci Lucas Mick. Mais non, il fait pas des roulades. Excusez-moi, je suis encore en phase d'apprentissage. Aïe. On peut jouer au foot ? Football. Ah oui, non mais ça part vachement loin. Bonjour. Attends, je tente un truc. Lorsqu'un corps s'évapore avec une traînée bleue blanche, ça veut dire qu'il laisse un objet par terre. Là c'est bon, là j'ai pu fouiller le corps. 200 runes dans les crânes brillants, faut les casser. Ah, le ballon de foot. Reviens. Non. Tu m'as dit 200, il y en a une seule. Hein. Tu fais LB dans le dos d'un ennemi, tu lui fais un coup critique. LB, c'est ça ? Ça, c'est pour parer. Ça se consomme pour 200 runes. L'objet donne 200. Ah !
D'accord, pas LB, RB. Ah oui, non, c'est cette attaque-là dans le dos, ça fait un coup critique, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. J'en étais où ? Bonjour. Ah non, mais... Ah mon dieu, je comprends rien. Ok. Attends, Bambi. Attends, attends, attends. C'est bon. Je suis vraiment pas fort avec l'arc. Hein. Je suis censé aller par où ? Ah oui, non, c'est par là que je suis arrivé. Non, c'est attaque légère dans le dos pour un critique. Ah, c'est celle-là ? Dans le dos ? Chose que j'ai découvert après 6 heures de jeu, tu peux rester appuyé sur B pour courir. Oui, mais c'est... oui. Ah si, moi je l'avais compris. L'arc n'est pas très fort dans le jeu en général. Je t'avoue que ça m'a pas l'air dingue, effectivement. Après je peux essayer de réapprendre. Hein. Par exemple. Oh, c'est pas mal. Non, par contre. Non. Aïe! Mais aïe, j'ai dit. Ah, je peux pas fouiller le corps, par exemple. Je peux loquer pour tirer. D'approcher accroupi dans le dos d'un ennemi pour voir les coups critiques. On va essayer. Alors, ruine de la porte. Ah ouais. Là, je tente un crit. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Je vous l'accorde. Non, ta gueule! Mais ta gueule! Ah, mais l'autre il a joué de la trompette là! Ouais, y'a toute la smala qui se ramène et tout. Ah, et puis ils sont nombreux les mecs en plus. Dernier site de grâce utilisé ou est fiché de Marika? J'ai croisé Marika récemment ou pas? C'est le manager. Ah, c'est pour ça. Marika. C'est une armée de Bocolins. De Bocoblins, pardon. On est où? Ah, d'accord, on est en haut de la porte, machin. Mais attends, mais c'est vachement dur. Comment je... Enfin, je... Comment je suis censé faire? Et on va reprendre le... On va refaire le coup de la flèche. Alors... Attends, j'aimerais bien apprendre à parer quand même. Déjà, j'aimerais bien que la caméra reste dessus, voilà. Aïe! Mais taper avec son bouclier, il a pas le droit. Pas dans les règles. Ce camp sert surtout à s'entraîner la mécanique, on peut aussi le faire en furtif. De cibler directement, même de loin, d'accord. Non, mais surtout, bah, ça m'inquiète quand la caméra elle se désengage pendant le combat. Alors, on va refaire le truc en fufu là. Mmh.
Un seul mec avec un trompette, tu peux le fumer avant qu'il s'en serve. On va essayer. C'est normal de beaucoup mourir ici. D'accord. Le plus simple, c'est de faire des roulades à chaque fois qu'on t'attaque. Ouais, ça faut que j'apprenne à le faire. Hein. Assez clairement. Assez clairement. Alors, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Ah, on peut tirer plus ou moins fort. D'accord, ok. Bonjour monsieur. Non mais la roulade, il la déclenche 20 000 ans plus tard. J'arrive pas à loquer. J'arrive pas à loquer. Alors le mec qui a la trompette là, est-ce que je peux lui mettre une flèche dans l'œil et il meurt? N'oublie pas de lock le mec. Non mais j'oublie toujours de lock le mec. Aussi changer d'arme, katana pas rapide si t'as pas les réflexes d'esquive. Ouais mais enfin faut apprendre quand même, il y a un moment. Bonjour monsieur. Non, raté. Non, appelle pas la Smala, vous êtes chiant. Allez on se casse. De toute façon ils vont m'oublier, on peut désagro, c'est comme dans tous les MMO. Je vais chercher les runes avant de mourir. Merde, mes runes! Waouh! T'es sérieux, toi? Merde, ils sont encore là. Non, j'ai rien fait. Écoutez-moi la paix, cassez-vous. C'est bon, j'ai des agros ? Ouais, c'est bon. C'est pas grave, les runes, je viens d'en perdre 50k, faut savoir lâcher prise. Non mais je me fais à l'idée, hein. Regarde, ils sont tous en train de rentrer comme des cons, là. Du coup, lui, je vais pouvoir aller le fumer de dos. C'est ça les runes dont vous me parlez ? Et ben voilà, elles sont à moi. Hop. Bonne fin de journée. Même pas vu. Ah, y a un gros loup derrière là. J'aime pas beaucoup. Je peux le buter facilement. Vas-y, retourne-toi. Voilà. M'en vais. Il me suit le loup ou pas? Alors il y a Jean-Michel qui me suit, mais je crois qu'il est tout seul. Et Jean-Michel n'a pas de trompette, donc on va pouvoir le fumer. Attends, il y a le loup derrière, j'aime pas beaucoup. Va-t'en le loup. Serre lui le kiki. Le petit type, une fois que tu auras maîtrisé la roulade, c'est la roulade vers l'avant, c'est mieux et ça te permet de taper rapidement.
Le mec au bouclier est chaud. Ah, il m'a l'air un peu trop chaud, ouais. Alors, j'aimerais bien que le loup se barre. Il veut pas. Bon, bah écoute, on va se casser. Hein. On va le forcer. Tu fais des sauts à attaque lourde. Sauts à attaque lourde, d'accord. Ouais, t'as raison, je peux le flécher aussi. Il est où? Il est sérieux? J'adore. Beaucoup trop marrant. Pourquoi je peux pas fouiller son corps? Ok, Boromir. Ah, le crâne. Alors, ils sont où les méchants? J'en ai buté combien là? C'est lui qui a la trompette, non? Non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, tu m'as totalement vu. Et non, mais... Connard. Ah, y'a plus de flèches, d'accord, c'est pour ça qu'il se gratte les fesses. Super, super, c'était un grand moment. Lock-le, connard. Jean. C'est facile, hein. Après tout, c'est un Zelda comme un autre, hein. Lui, c'est le chef, il est chaud. Bah, écoute, j'en ai fait les frais, ouais. Alors, attends, je vais aller chercher mon stuff. Il triche l'ennemi, il a une grosse armure. Mais oui, ça c'est un joueur shiny qui est level max et qui va farmer des noobs comme moi. On les connaît. Hein. Mais là du coup c'est quoi le but? Il faut que j'essaie de clean l'intégralité de ce camp là? Elle est jolie la roulotte. Oula, pardon. Bonjour monsieur. Bonne fin de journée. Oh, donc dans la roulotte il n'y a rien. Ah merde. Tu veux qu'on se mette sur la gueule? Bah vas-y, viens. Toi. Il y a un coffre à l'arrière des roulottes. Ah! Attends, je le tue lui et après je vais voir ça. J'aime bien, c'est très satisfaisant comme meurtre. Il y a un coffre à l'arrière des roulottes. C'est-à-dire... Qu'est-ce que vous appelez l'arrière? Devant les bougies. Ouvrir. Ah, formidable. Ah oui, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Prendre l'objet. Fléau d'armes. Le fléau de MV.
encore une roulotte. Bah let's go. Pourquoi il y a des bandes noires partout? Mais j'avoue, je sais pas. Je me suis posé la même question tout à l'heure, puis je suis passé à autre chose. C'est vrai ça? Pourquoi le jeu il est pas full screen? Un écran. Mais attends, mais en plus j'ai un écran 4K, 20K, 1000K là. Pourquoi je... C'est quoi déjà la 4K? Merde, je sais jamais. C'est quoi la définition d'écran maximum? Un PC qui m'a coûté un fric fou, quand même bien la moindre des choses que je joue le stream de la meilleure qualité possible. Alors, bonjour, excusez-moi, hein. C'est pas contre vous mais c'est un peu contre vous quand même. Sur un stream 1080p, oui, c'est vrai. Espadon seigneurial. Ok. Bon, moi, en tout cas, chez moi, c'est beaucoup plus beau là. Hein. La grosse épée. Bah ouais, est-ce que ça vaut pas le coup que. Elle est où? Pourquoi elle est pas dans mon. Pourquoi? Pourquoi elle est pas dans mon équipement? Inventaire. Espadon seigneurial. Utiliser, laisser, détruire. Ah, il faut que j'aille sur le. Il faut que j'aille sur l'épée que je veux changer. D'accord. Et je mets ça à la place. D'accord, ok. Alors montre-moi ça. Ok. Ah, ça m'a pas l'air méga rapide. Hein. Et si je le prends à deux mains? Tu peux pas l'utiliser, pas assez de force. Ah bon? Il y a des prérequis. Ah. On va prendre le katana alors. À deux mains ça passe, utilise à deux mains pour pouvoir l'utiliser. Non, on va rester au katana. Hein. Tu peux si tu le prends à deux mains, d'accord. Ok. J'en étais où au niveau du noyau du lavage du camp? Est-ce que le chef aussi je peux le buter par derrière? Coup critique, il meurt instant. Vous n'y arriverez pas, messieurs. Attends. Il meurt. Il est mort. Viens, on se casse. Viens, on reste pas. Au revoir, messieurs. Bonne fin de journée. Excusez-moi. Pardon, je voulais pas vous déranger. Mais non, mais pourquoi il fait un coup de trompette, l'autre? Je croyais que je l'avais tué. Le mec à la trompette. Taillot, messire. Petit peu de vie. Hop, vite fait. Mais casse-toi, toi!
jamais vu lui ou qu'est-ce qui lui arrive? Attends, attends, pendant qu'ils ont tous le dos tourné. Je commence à mieux m'en sortir. Attends, 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 viens là toi. Non, Jean. Il est coincé par son chien. J'arrive pas à loquer à chaque fois. J'aurais besoin de boisson. Je voulais pas faire ça, putain quel con. Viens là toi, viens le toutou. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On peut y aller. Oui, c'est une bonne idée. Cette grotte. C'est quoi le but du jeu? On est sur du meurtre. Grosso merdo. Oui. Oui. Ah, c'est beau ça. J'aime bien. A l'aide d'un couteau à aiguiser, vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer de nouvelles compétences à vos armes auprès d'un site de grâce. Une arme ne possédait qu'une seule compétence. Toute compétence doit disposer auparavant. Ah, c'est ça, c'est l'attaque spéciale. Ajouter des affinités. À l'aide d'un couteau aiguisé, vous pouvez utiliser l'affinité offensive, le bonus d'attribut de d'autres caractéristiques d'une arme, le type de l'arme déterminée. Ils sont peut-être à bénéficier, ne peut pas attribuer une nouvelle affinité à certains spécifiques. D'accord, ok. Cendre de guerre, couteau aiguisé. Ok. Ça te permet d'assigner des cendres de guerre, c'est super cool, mais il faut trouver des cendres de guerre. D'accord. Arme magique, arme de feu, etc. D'accord. Maintenant, la stèle et tu raclines le camp. Oui, la stèle, c'est le, c'est là au milieu de Main Street. Je te reconnais, toi, c'était Monsieur Trompette. Ah, tu ferais plus tutut maintenant. Carte de Nécrolimbe occidentale. Bon bah voilà, écoutez, ça me paraît clean comme camp. Faut moi les marioles là hein. Bon, et bah très bien. Rip Epic Sax Guy. Ah, il y a un petit camp de... Voilà, se reposer auprès de machin, on reprend de la vie, on remplit les fioles et on y retourne. Si tu te reposes à un site de grâce, tous les ennemis reviennent. Oui. Tu peux changer tes fioles. Oula ! Pardon, il y a Zelda qui vient d'arriver. Servante de l'augure, non ? Ok. D'accord. But you, I am afraid, are maidenless. Merde, j'ai raté une cinématique. Maiden. Ah merde.
J'avais pas compris. Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you. Merde, désolé. To the foot of the Erdtree. Jusqu'au pied de l'arbre monde. D'accord, donc on va accepter. Summon me by grace. Convertir vos runes en puissance. D'accord. OK Zelda. Ah. Another matter. Ah, one more thing. I bequeath to you this ring. Ah, one ring to rule them all. Sifflet de destrier spectral. Oh, je vais avoir un canasson. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent, c'est le nom du dada, d'accord. Torrent has chosen you. Ah, super. Treat him with respect. Ouais, bah du coup, ouais, t'inquiète. J'aime pas le steak de cheval de toute façon. Montée de niveau. Oui, on va faire ça. On va faire ça. Faisons donc ça. Depuis le moment du matin, vous pouvez dépenser des runes pour améliorer vos attributs. Chaque attribut de vous améliorer, faire-vous passer au niveau supérieur. Plus votre niveau est élevé, plus vous devez dépenser de runes pour progresser. Oui, c'est d'accord. Qu'est-ce que j'attribue? Dites-moi le chat. T'as aussi débloqué la carte de la zone. Ah. Vigueur et dex. Alors, vigueur. Ah oui, d'accord. Eh ben, je peux pas faire plus. Full vigueur. Ça dépend de quel type de perso tu veux donner. J'en sais rien, ça. Vigueur à fond. Vous me conseillez de mettre vigueur à fond ? Tout sur vigueur. Full vigueur, ok. Fiole. Ajouter une dose de fiole. Améliorer les fioles. Répartir les doses de fioles. Une graine dorée pour augmenter le nombre d'utilisation des fioles. Ah oui, je suis plutôt partant, ouais. Ça dépend quel type de joueur es-tu. Bah je sais pas, c'est la première fois de ma vie que je joue à un Souls, donc... On va dire vigueur jusqu'à 20-25 pour un débutant, puis après dextérité. Répartis tes fioles. Attends. Répartir les doses de fioles. Ok, d'accord. Full rouge, ouais. Ouais, c'est ce que je vais faire, full rouge. Au pire, t'en fais pas, tu peux réassigner tes points plus tard dans le jeu. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, ok. Ah oui, je pourrais rejouer avec les flèches. Ok, d'accord. Utilise ta graine dorée. Pour ajouter une fiole. Vous n'avez pas assez de graines dorées. Mais là c'est bon. Non ? Ah non. D'accord. T'en avais pas, t'inquiète, on trouvera plus tard. Ok. Utilise l'effet de strier spectral. Utilise l'effet de descendre votre monture, appuyez sur L. D'accord. Dans le menu principal, sous sacoche, vous pouvez équiper jusqu'à 6 objets. 4 objets sont autorisés sur le menu principal. Ah, c'est Y+, ok, d'accord. Ah oui, c'est ça. Non ! Sûrement pas. Non ? La croix. Ben de Nota Bene demande si vous vendez des mugs de backseat. Ouais, sur la boutique, sur le Utip. C'est pas les mugs qui sont sur le plateau, mais... Faut que tu amènes dans sa sacoche avant. D'accord. Inventaire du coup ou équipement ?
À droite. Ah ! Réminiscence de grâce. Et alors comment je fais pour... Comment je fais pour... équipement. Il dit qu'il comprend pas. Il dit qu'il est un peu bête. À la place de ta fiole bleue ou à droite? Utiliser, fermer, changer, retirer. Hein? Eh, c'est vachement pas pratique, hein. Pas dire... c'est quoi ça? Consommable, inventaire, coffre. Lancer les ennemis pour infliger des dégâts et cumuler du saignement. Ah. D'accord. Et donc maintenant... Voilà. Maintenant, je peux siffler mon canasson. D'accord. Mais là, il n'y en a pas besoin du canasson aussi? Pourpourage. Salut toi. Wow! Eh oh! Tu permets toi? Non mais tu vas t'arrêter déjà. Voilà, maintenant on se casse. Bonjour monsieur. Ok, je lui fais aucun dégât. Tout va bien. J'ai pas peur. Mais attends, il y en a qui me tire des flèches et tout. Bonjour monsieur. Qui m'a écrasé avec son pied. Reste entre ses jambes, tu seras tranquille. Tu peux utiliser ton canasson pour tracer. Mais il faut que je l'affronte là, Ah, il est là-haut. Excuse-moi, tu permets ? Un peu décevant. Mais c'est de la merde. Attendez. Excusez-moi monsieur, bonjour. Aïe! Aïe! Mais ils sont trop relous les mecs qui tirent là! Niquez-vous en fait! Attends, je vais aller chercher mes runes. Aïe! Hop! Et donc là du coup vous m'avez dit canasson et on se casse. Ok. Mais attends mais... Aïe! Mais reste de ton côté de la porte connard! Du coup, je suis censé l'affronter là ? Dans l'autre sens. Ah, faut aller là-bas ? D'accord. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Aïe ! Wouhou ! Comment on fait pour descendre du canasson ? Mais pourquoi t'appelles tes potes toi ? Style gauche. Ah ouais, ok merci. Ah merde. Ça m'a l'air venteux par ici. Non. Merde.
Bon, je pourrais jamais revenir ici. Hein. Le jeu est dur. Franchement, ça va. C'est un Zelda. Hein. Et du coup, je reviens ici. Non, mais en vrai, là, je suis censé faire quoi? Je suis censé affronter le gros boss? Je suis censé me casser? J'ai déjà clean up le camp ici une fois. Je vois pas l'intérêt de leur faire une deuxième. Là, mes runes, je pourrais jamais aller les chercher. Va au sud ou ouest? Ça, c'est la fameuse porte. Là, c'est là où j'ai laissé mes runes où je suis mort. Comment je fais pour dézoomer? Ah, voilà. Ok, d'accord. Pour 100%, tu peux aller récupérer avec ton cheval. D'accord. Tu peux contourner ou passer en courant. Il n'y a aucune bonne solution. Tu peux courir, chercher tes runes, puis fuir si tu veux. Tu peux aller au lac à côté. Abia fait genre 5 heures de canasson en tuant quasiment personne, tu fais comme tu veux. La suite de l'histoire est au nord, mais c'est toujours au lever sud d'abord en explorant. Ouais, level up vers le sud, ok. Bon, je vais aller chercher mes trucs là. Avec mon canasson. Hop. Salut Boris. Arr, pas content. Oh. Alors. Vas-y, fais de la trompette toi. Est-ce qu'il faut descendre de cheval pour récupérer ces merdes? Non, c'est bon. Allez, demi-tour. Bonjour messieurs. Excusez-moi. Hein. Hop là, vous m'avez pas vu. Le corps du Gondor, ouais, c'est ça. Mais c'est impossible d'affronter un boss alors que t'as des mecs qui te pilonnent en même temps. Pardon, je peux passer entre tes jambes? Merci, t'es sympa. Double jump le canasson. Ah ouais, on peut double jump! Always I wanna be with you. Maybe you. And make believe that I'm always. I wanna be with you. Tiens, on va faire une pause pipi ici. Toucher la grâce. Je suis plus suivi par personne, c'est bon? Ah si. T'as une fiole en plus. Je crois que j'ai la ref. Bah ouais, c'est Unicorn dans Bot Attack. Le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Quelqu'un qui me demande de l'aide, alors je veux bien, mais d'abord tu vas me laisser aller. Ouais, ouais, j'arrive. Non, je voudrais m'arrêter à un truc de machin là. Tu peux toucher la grâce, ça resettera les ennemis. Attends. Donc là, on est d'accord que c'est bon, ça reset mes fioles, ma vie, etc. Tu peux attaquer à cheval aussi. Ah, trop bien. Non. Alors, c'était qui me demandait de l'aide, là? Qu'est-ce qu'il parle? Non, il faut te reposer pour reset. D'accord. Un buisson à taper pour le PNJ. C'est bien un buisson qui me parle. Oi. You there. Could you help us out, Cully? You? Yeah, you there. Stop pretending you can't see me. Je te vois pas, frère.
Don't anyone look me in the eye. I'm not that ugly, am I? C'est toi qui me parles ? On va pas lire le message. Le mouton ? C'est toi qui me parles ? You there. Could you help us out, Cully? Quoi ? Donne un coup d'épée dans le buisson. You? Yeah, you there. What'd you go and do that for? Qu'est-ce que t'es? T'es quoi? T'es qui? Oh yes, I remember. Some god turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Ouais. D'accord. Mais du coup, est-ce que tu peux mettre une quelconque utilité? Non? Eh ben merci quand même, hein. C'était sympa. Pour la peine... Je vais aller buter ce mec là-bas. Parle plusieurs fois au PNJ, reparle-lui. Ah merde. Attendez, j'ai un meurtre à faire d'abord. Aïe. R3 pour lock un ennemi. Ah oui, c'est vrai, putain. Bon, je vais reparler au buisson. Everything I owned, and so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Il m'a donné quoi? Un champignon. Le mec me file un champlard. Well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Ah ouais, fais ça. And I'd be of some real use to you. Ouais, fais-le, vas-y. Right, but I'll need a moment. I'm frightened of them, so I have to gather myself. My knees start knocking. Plus qu'à trouver des œufs et go omelette. D'accord. Ah oui, non, ça tu me l'as déjà dit, d'accord. Ok, Jean-Michel Canasson, il est où? Il est là. Alors, toi, il faut que je te fume. J'ai esquivé ça. Mais putain, j'ai fait une roulade dedans. Non. Attends, je vais récupérer ça. Vaincre un groupe d'ennemis vous permet de remplir vos fioles. La quantité et le type de fioles varie en fonction du groupe d'ennemis. Vous pouvez remplir vos fioles au-delà de votre situation actuelle. D'accord. Non, fais-moi le malin, Michel. Moi aussi j'ai un cheval, regarde. Ouais, sauf que le mien il est vivant.
Du coup, mais il dit sud-est. Hop. Il y a trois personnes. C'est quoi? C'est des méchants? Bonjour. Il m'a enflammé, l'enculé. Pardon, le méchant monsieur. Bon, mais il rapporte rien, on est d'accord. Fragment de ruine, d'accord. Si tu peux lock, c'est un méchant. D'accord. Ça, c'est un méchant, par exemple. Le ragondin, là. Oh! Je vais là. Non mais reviens! Attends, ça je reconnais, c'est les gobelins dans Diablo 3, ça rapporte plein. Il y a plein de gold dedans. Reviens. Non, fous-moi la paix, toi. Travaille-moi. Mais cassez-vous! Niquez vos darons! Ah, c'est facile comme jeu, hein. C'est un Zelda, hein. Tu peux partir du principe que tout est méchant dans ce jeu. Ouais, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Alors, on va le faire dans l'ordre. On va pas se précipiter. Lui, on va le fumer. Voilà, donc ça déjà c'est réglé. Ensuite, toi. Viens là. Attends, t'es sérieux, t'es pas morte? Cendre de guerre, détermination. Ok, j'ai des cendres de guerre qui me permettent d'améliorer mes armes, c'est ça? C'est ça, j'ai bien compris. Verrouillé. Hein? C'est l'idée. Incroyable, je suis un excellent joueur de jeux vidéo. Alors, toi, viens me voir. Est-ce qu'on peut teabag? Ouais, on peut teabag. Ah oui, j'aurais quand même dû aller rechercher mes trucs avant de faire n'importe quoi. J'oublie toujours qu'il faut retourner sur le lieu où on est mort, tout ça. Mais non, mais pourquoi il fait pas son attaque spéciale de ouf là? Aïe. Tu peux te battre en chevauchant ton cheval, il prend des dégâts à ta place. Ah. D'accord. Oh là, le gros là-bas. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut les buter? C'est le but? Il faut? Attends, il a une trompette lui là-haut. Est-ce que je peux lui fumer la gueule? Il
Pardon, bonjour messieurs. Mais... Vas-y Ragdoll. Voilà, dégage. Et donc Pif et paf là, il faut les buter. Peut-être pas besoin, remarque hein. Quand t'es à pied, une attaque sautée fait davantage de dégâts. Ah oui, c'est vrai. On l'a appris dans le tuto. Vous emmerdez pas pour moi, hein, je vais juste vous voler ce qu'il y a dans ce coffre. Vous formalisez pas. Ah, je peux pas l'ouvrir. Bon. Continuez à rouler, alors emmenez-moi, déposez-moi à Paris. Faut les buter avant, hein, faut arrêter la chariote. On va essayer du coup. Alors, bonjour messieurs, dames. Lock-le. Alors bonjour monsieur, excusez-moi, on s'est pas présenté. Aïe. Pas besoin de les tuer. Ah, faut juste arrêter la carriole. Alors attends, parce que... Oh la merde. Oula, je suis loin. Merci Flonflon Musique pour tes 77 viewers. Bon, bienvenue à vous. Je suis en train de jouer à Elden Ring. Première fois de ma vie que je joue en Souls. J'ai commencé il y a... une heure ou deux. Donc bienvenue à vous. Si vous avez jamais joué à Elden Ring, bah vous voyez, c'est un Zelda quoi. C'est un jeu développé par Disney sur Nintendo pour les enfants. Et faut grosso merdo tuer à peu près tout ce qui bouge. On se demande s'il faut lancer un compteur de mort de Jean Massier. Ah, je pense que tu peux, ouais. Wow ! Mais nique-toi, toi ! Viens là. Ah, on peut esquiver à cheval aussi. C'est beaucoup trop tôt. Non, attends. C'est marrant ces combats de canassons. Non, mais qu'est-ce... Pas la bonne agro, mais t'es sérieux? Il est en train de me mettre la zermie. Putain, je... Ta gueule! Du coup, ça remplit mes fioles. Du coup, on s'est dit qu'il fallait les arrêter, eux. Salut, toi. Aïe. C'est vrai que ça fait mal. Les attaques sautées, ça fait très très mal, ouais. D'accord. Alors, faut arrêter la carriole. R1, 2, L2, 1, main droite, main gauche, à cheval. D'accord. Comment je fais pour les arrêter sans qu'ils commencent à me tabasser? Je leur mets un coup d'épée, c'est bon? On va essayer. Pardon. C'était
était facile. Grande hache. Ok. Oula ! Plasma là. Qu'est-ce que... C'est Marika, ça ? C'est Marika avec un message dessus, d'accord. Ils sont venus avec leurs potes. Ah ouais, non, c'est impressionnant, ouais. D'accord. Bah, je vais pas tous vous tuer, hein. Peut-être un ou deux qui va se prendre une flèche, je vous le cache pas. Non, tu fais quoi, toi ? Mais tu fais quoi ? Donne un coup de temps à moi. Non, mais ils sont sérieux, là ? Ils vont tous répliquer ? Non, mais messieurs, vous forcez pas, on peut s'arranger. Alors, toi, par contre, je peux te fumer, je l'ai fait tout à l'heure. Merde. J'ai eu peur. Aïe! Mais vous venez d'où, vous? Voilà. Donc là, il y a toute la procession. Je suis censé aller où après? Je continue à suivre le chemin? T'es parti sur un build spécifique. Ouais, l'épée là. Tu peux aller où tu veux, même en dehors des routes. Oui, il a fait poète. Ah, ils m'ont vu? Bon, bah niquez-vous, hein, moi je me casse. Monde ouvert, tu vas où tu le sens. Oh la belle fleur. Oula. Qui c'est? C'est la fleur qui a fait ça? Sérieux, ça? Je la sens hostile. Oula. Tout dans le monde veut ta mort. Ouais. Ah, mais elle se déplace, elle, salut. Attends. Ouais. Mais du coup, c'est-à-dire. Sortir l'arc, tu penses? Non, mais nique-toi en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? T'as été empoisonné. Mais oui, mais c'était en train de réduire la jauge. Sauce spirituelle, d'eau de monture, machin, d'accord. On est où? Oui, c'est ça, la plante.
Ah merde, j'ai plus de... Ah, j'ai plus rien, j'ai plus de flèches. Ah, j'ai vraiment plus rien du tout, d'accord. Faut du feu. Bon bah let's go le feu alors. Hein. Ah ouais, elle crame. Eh ben nique-toi. Elle crame pas, elle ? Empoisonnement. Et là, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je dois faire pour pas mourir? Tout à l'heure, je suis mort. Ah ouais, putain, ma vie elle réduit petit à petit. Combien de temps ça dure? Ça s'arrête jamais? Il y a un site de grâce pour Isette. Où ça? Où ça? La jauge, c'est le temps. Ah ouais, donc là, je vais être obligé de me droguer. Ah mais... Salut toi. Aïe. Non. Bon, il suffit de taper, hein. Non, va-t'en. Qu'elle se fait mal à elle-même, hein. Négatif. Katana ? Merde, c'est effigie de Marika ou... Non, c'est... Oui, c'est Marika. Merci, Papa Droops. Tu veux parler une plante verte. T'es mal à la tête de la plante verte. Ça va être un peu compliqué de récupérer mes affaires. Bonjour. Excusez-moi, hein. C'est pas contre vous. On va juste récupérer ça. Voilà, super. Ah non, attends. C'est ça qu'il faut que je récupère. Voilà, merci. Alors... Donc l'empoisonnement, faut juste pas que je laisse s'installer, c'est ça? Merci Midnight. Alors. Bon, on va prendre le katana, hein, vous avez raison. Voilà, c'est déjà plus pratique. Bon, arrête de... Voilà. Tu peux pas te craft des flèches? Si, sans doute. Arrête.
arrête de mettre du poison partout. Bon, et elle là-bas, bah écoute, voilà quoi. Non, non, attends, 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 attends. Non, attends, dans l'autre sens, connard. Pardon. Bon ben bourre. Ouais, de toute façon maintenant c'est bon, je suis empoisonné et puis plus rien d'autre à faire qu'à bourrer. Attends, hop là. Et je suis toujours empoisonné, ça dissipe pas le spell. Rune dorée, ok, y a pas un coffre. Non, non, non. C'est où les trucs là où je peux régénérer? Parce que là, c'est ma dernière potion. Putain, il y a des méchants partout. Un escalier sous la plante. Merde. Un truc sous les ruines. Chier. Ouais, mais là surtout je vais crever en fait si je trouve pas le truc de régène. Fouille, t'as loupé un truc. D'accord, 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 j'y retourne. C'était où? C'était où? Vite, 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 vite. Où votre truc? Je vais mourir. Je vais mourir. Si près du site de grâce. Bah ouais, mais je sais pas où il est. Se refaire la plante, hein. C'est bon, je crois qu'on a compris. Tu ouvres ta carte et tu peux TP aussi de grâce. Ah, d'accord. Excusez-moi, vous dérangez pas pour moi. Passez une bonne journée, excusez-moi. Voilà. Lui, je l'ai déjà chouré ou pas? Les ruines, t'as pas besoin de te refaire la plante. Bon, d'accord. Bonjour. Non mais casse-toi en fait par contre. Casse-toi. Ça a pas recommencé. Hein. D'accord. Les ruines, bah écoute, je fouille. Hein. Trouve la cave. Bah écoute, je cherche. Je cherche, on va trouver. On va trouver. Bonjour. C'est juste à côté de là où est la plante. D'accord. Alors. La plante, elle est là. Là, je suis là. C'est par où? Là à gauche.
parti là. On n'a pas l'air d'être ça. Non, l'autre gauche, délai. D'accord. Alors, attends. Hop, est-ce que c'est ici ? Non. Est-ce que c'est là ? Non. C'est-à-dire que ça fait 4 fois que je passe ici. C'est ici, voilà. Vous voyez, c'était pas difficile. C'était facile, oh là là. Wow ! Plantman ! Non mais, fais des roulades, connard ! Nécrolimbe. Attends, je vais savoir y retourner tout seul comme un grand. Hop, c'est là. Pourquoi j'ai bu une boisson ? Pourquoi maintenant ? Je les sens agressifs, les mobs, quand même, dans ce jeu. Hein. Pas la place pour le dialogue, la discussion, la démocratie, tout ça. Brouillard égale boss ou mini-boss ? Ok, d'accord. C'est la campagne électorale qui les radicalise. Bon. Je sais pas trop si c'est mon genre de jeu. Les speedrunners, ils en sont à combien de temps ? Le NI%, il a combien ? Pour savoir s'il faut que je continue à tryhard ou... Que des coups simples, c'est peut-être pas une bonne strat. Hein. Là, il tape au sol. Aïe. Mais putain, je fais des roulades pourtant. Coup de boule. Aïe. Aïe. Le NI pour cent. 23-24 minutes. Non, ok. Coup sauté, c'est le best en général. Ouais, te donne une frame d'activité très courte, il faut timer l'impact sans se faire bait. Mm-hmm. Got it. Attends, je me suis perdu là. Ouais, c'est voilà, c'est par là. Bonjour monsieur. On peut ressortir de la pièce ou pas ? Aïe ! Quel enfer, mais quel enfer! En vrai, pour débuter un bouclier, c'est mieux si tu maîtrises pas les roulades. Ouais. Thank you.
Quand tu rentres dans une salle de boss, tu peux plus ressortir, tes runes sont coincées là. Ah oui, donc faut absolument que je le tue, quoi. Tu peux aussi aller récupérer de quoi t'aider à l'église du début. Hein ? Tu peux tenter de le cibler et de tourner autour de l'ennemi en attaquant dans son dos. Ok. Alors je vais essayer de me mettre toujours dans son dos. Non, par là, par là, par là. Oh, putain la vache. Non mais derrière, 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 derrière. À l'église qui réalise une cinématique qui va te donner un nouveau pouvoir. Elle est où l'église ? L'église d'Elay. Bonjour madame. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. Bonjour. I heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. En effet, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai rien fait. Si, 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 c'est moi. As I had hoped. I was entrusted this for thee, by Torrent's former master. Clochement d'esprit. Ah mais elle a quatre mains. Cendre de loup solitaire. C'est une cloche permettant de faire appel aux esprits. Summon them with it. On peut faire incinérer plutôt que de rallier l'arbre monde. The Urtree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past, now it is thine. To do it as thou wishest. Clairement pas un jeu pour moi, tous ces tries, je pèterai un câble, je suis admiratif de tous les joueurs d'Elden Ring qui peuvent recommencer un boss 50 fois avant de prendre le bon pattern, le bon timing, bravo les gens. Bah je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi la courbe de... I doubt we shall again meet. But all the same. Ouais, je sais pas, la courbe de progression, le feu n'est pas encore... Before the tarnished tire of obeisance to the two fingers. Eh ben merci madame, donc j'ai une cloche. Donc là, ouais, effectivement, moi, tu vois, try 50 fois d'affilée le même boss, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais je comprends tout à fait le plaisir qu'on a à finalement le battre, et c'est cool et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que la courbe de progression, moi, me fait pas kiffer. Ça fait que tu peux invoquer des mobs pendant les boss, d'accord. Le fun vient vraiment du fait de se progresser en baladant pour aller péter des boss sur qui tu galérais avant. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, c'est l'immense plaisir de la progression où non seulement tu progresses dans la manière de jouer, mais tu fais aussi progresser ton perso, il est de plus en plus puissant, etc. C'est tout ça à la fois. Le truc c'est qu'après avoir wipe un boss 50 fois, tu le tues quasiment à tous les tries, vu que tu deviens meilleur. Ouais ouais ouais. Après tu trouves une arme qui te plaît, et frame un peu tu pourras tuer la plupart des boss en 2 ou 3 essais seulement. Ok. Comment je fais pour quitter ?
Fous-moi la paix, toi. Je cherche, j'essaie de quitter. Comment on fait pour quitter ? Configuration quitter. Option, son effet. Quitter, quitter la partie. Voilà. Pour quitter, faut finir le jeu. Oui, c'est interdit de. C'est interdit de finir. Non, écoutez, intéressant d'avoir essayé. Intéressant d'avoir essayé les premières heures. Je commence à comprendre un peu les fils, etc. C'est très frustrant, effectivement, quand t'es pas habitué. Je pense que c'est plus agréable à regarder quelqu'un qui sait jouer, qui sait bien y jouer. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est un jeu sur lequel je vais prendre du plaisir à passer des heures. Donc du coup, je vais aller regarder des vidéos d'Exerve, etc. Peut-être que ça va me donner le goût de m'y remettre demain en me disant ah d'accord, il y a des trucs que j'ai mieux compris et tout. Merci d'avoir été là d'ailleurs, hein, vous le chat. Merci beaucoup. Et ouais, je suis fatigué, ouais. Faudrait que tu essayes le multi avec un ami qui s'y connaît. Ouais, sans doute. Sans doute, sans doute. Atomium aussi, un super let's play dessus. Ah bah les let's play d'Atomium, bien sûr. Les meilleurs. Mais ouais, ouais, non, carrément. Carrément, carrément. Merci à vous d'avoir été là. On va faire un raid chez Clément Viktorovitch. Qui est en train de débriefer le dernier Game of Thrones. Ça va être la fin de ce stream du coup. Merci à vous d'avoir été là, c'était cool. Bonne soirée à vous et puis rendez-vous plus tard dans le week-end pour d'autres jeux vidéo peut-être. Des bisous.